Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvel épisode. On est parti, désolé, j'avais des problèmes de son. Voilà, donc petit épisode, dernier épisode de God of War. Nickel. Bon, mais voilà, parfait. On a 402 mètres à faire. Du coup, on va retrouver. Bah, je sais pas trop parce qu'on a tué, je vous rappelle, Baldur, du coup, le fils de Freya. Et je voulais voir un petit peu la suite de ce qui allait se passer. Et on n'est pas à la fin du tout de l'histoire. Donc on va continuer. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai pu améliorer bien les armures et tout, les talents de. D'ailleurs, je vais pouvoir encore améliorer les talents de Kratos, en vrai. Ah, il y a peut-être moyen d'être encore mieux que ça. Surtout au niveau des compétences et tout, ça va être... d'ailleurs, je vais pouvoir l'améliorer. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est amélioré à fond. Ça aussi. Améliorer déjà au niveau 3. J'aime bien... Je laisse comme ça pour l'instant. Au niveau de la hache, on est au maximum au niveau des levels. Et que de niveau 1 ? Un niveau 3. Voilà, ça coûte un peu cher, mais au moins ça va faire beaucoup plus de dégâts. Nickel. Hop, on va passer au niveau des compétences. Est-ce que je vais pouvoir... Ah, yes. Allez, bientôt la dernière. Et normalement, on aura tout débloqué pour les compétences. Nickel. Donc ça, c'est quoi? Changer de posture en marquant une pause après une attaque à la hache chez Léviathan. Ah, je peux faire, je crois, 3 fois. Ah, c'est stylé. Là, je peux le faire 3 fois. Là, c'est pareil. Avec la hache, ah c'est stylé de ouf. Après j'ai pas tout amélioré, hein. J'ai amélioré principalement la hache. Ouais, de ouf, de ouf. Change l'histoire de la vie. Ah bah vaut mieux être plus fort là, ouais. Et au niveau de ça, non j'ai pas tout amélioré, enfin au niveau de la lame du chaos. Non, il y a encore plein de trucs. Ça j'avais amélioré je crois, même pas. Ça nécessite plus de vitalité. Ok, bon bah ça sera beaucoup plus tard. Oui, après il reste des trucs à améliorer. Ça va, pareil pour le bouclier. Il reste encore beaucoup de choses. Ouais, bon, voilà. On aura fait la plupart de ce qu'il y avait à faire. Même si on peut devenir encore plus puissant que ça. On va monter là-haut, du coup. Là, je suis content. Le son marche nickel. Vous entendez bien le son du jeu. C'est le principal. Bien si j'attaque. Ouais, c'est bon, le temps, il n'y a pas de temps de latence. Le temps de service, non, pas encore. Moi, je suis chaud pour continuer l'histoire. Ah oui, c'est vrai, on va mettre les cendres de sa mère. Ben oui, bien sûr, c'est le principal sujet qu'il fallait faire. Ben oui, non, mais quand même. Ukraine, ce qui oublie carrément. J'espère. C'est clair, je crois, parce qu'avec toutes les péripéties qu'on a eues, on va à Jotunheim. C'est parti. On est parti pour aller à Jotunheim. Waouh. Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. C'est mal que tu joues et tu reprends 100 ans après le jeu. Qu'est-ce que tu veux dire 100 ans après? J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en rediscuter. Non, ça va bien se passer. Ah oui, que je le fasse plus tard parce que je me suis acheté une console il y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça. Oh, ça va être chaud pour lui ça. Il a aspiré toute l'énergie. Oh le bordel. C'est pour aller à Jotunheim, hein. Ça a marché? Ils ont réussi en fait. Nickel, avait les yeux et tout. Nickel. On doit être proche. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu crois que c'est loin? On va voir. Non, on va voir. Bonne question. Oh, ça devrait pas si loin que ça, à mon avis. J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. Qu'est-ce qu'il a à dire? Oui, je le sens pas. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une... Attends, de mégalotin pour le prochain. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un peu ma flémingite aiguë aussi. Ouais, ouais, un petit peu. Je sais, c'est pour ça qu'il faut que je me focalise que sur des... un ou deux jeux max. Parce que je fais trop de jeux. Je le sais, je le sais. C'est mon gros défaut. Je vais réparer ça. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non, 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 non. Oh, ça va, c'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, non, je ne peux pas. Oh. D'accord. Prêt.
Un chouïa plus lourd carrément. Mais monte un peu plus le son au pire de Twitch. Hein. Ouais, là ils sont loin, c'est normal que tu les entends moins parce qu'ils sont loin de moi, donc c'est logique. On dirait qu'on marche les portes du paradis, tu sais. On est là, bonjour, la lumière est au bout. Où est-ce qu'on va arriver? Il faudrait que je fasse un seul jeu pendant toute une semaine, comme ça c'est fait, et puis on se prend pas la tête. En enfer, vas-y, pareil. Non, c'est là. On va être dans une montagne très très jolie, tu vas voir. Ah non, c'est bon, il fallait juste que j'avance en fait. Regarde, on est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est juste devant. Je le vois. Ouais, mais je pense que c'est là le plus haut sommet. On a réussi. Oui, mon garçon. Mais c'est ce que je faisais, j'avançais justement, mais pas assez. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Atreus. C'est les cendres de sa mère. Porte-la. Putain, quelle aventure quand même pour aller juste en haut d'une montagne. Si, à mon avis, c'est solide, oui. T'as vu les rochers, comment ils sont épais? Atreus. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Pour une montagne, ouais, c'est quand même haut, ouais, j'avoue. Eh oh! Y'a quelqu'un? Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. C'est grand quand même. Bah, c'est abandonné, mais c'est vraiment grand, ouais. En même temps, c'était des géants, donc... le dernier géant que vous avez vu au précédent épisode était vraiment très 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 grand, ouais, c'est vrai. Je sens leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi maman nous a envoyés ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. C'est vrai. Là, c'est pas moi qui contrôle le jeu, là. Là, c'est la cinématique. Oh, un passage. Non. Une révélation ou un passage? Waouh. Et maman. Regarde. Donc elle voulait vraiment qu'il vienne là. Un groupe de géants. Elle connaissait les géants. C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi? Mais attends, mais comment ça se fait? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. Ça veut dire que sa mère le savait qu'elle allait crever? Le maçon de pierre. Tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Ah, donc il était au courant. Mais...
Qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Ah, ta mère aussi le savait alors? Lui, il savait qu'il allait avoir des pouvoirs. C'était une géante. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Ta mère avait sûrement ses raisons. Ça devait être trop tôt. Dieu n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse. Et oui, Baldur, c'est un des qu'on a depuis le début, mais... Quoi qu'il arrive. Et puis... Elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens! C'est presque fini maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce drap? Oui. C'est presque fini. Presque? Ils vont mourir? Il reste encore une page. Je crois. Ah, peut-être pas. Répandre les cendres. Ben, on va répandre les cendres déjà. Déjà pour commencer et après... Regarde, c'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Ben en fait, c'est qui est tombé sur le dessin? Ben c'est eux. Veiller sur nous. Et c'est qui a fait ça? Je sais pas. Mais quelqu'un qui sûrement lisait dans l'avenir mais savait pas trop ce qui allait se passer quoi. C'est l'histoire du petit quoi, de Atreus. Ouah, c'est beau. C'est tous les géants qui sont morts? Non. Ah oui, ben si. Tout ça, c'est des géants qui sont morts. Ouais, faut en profiter, ouais, de ouf. Père. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Et lui, c'est sûr, c'est pas un géant, hein, par rapport aux autres. Merci Yarak pour le follow, bienvenue. Merci à toi, bienvenue sur le stream. Merci à toi. Bienvenue, bienvenue. Je découvre la totalité du jeu, donc... Ah, c'est beau. Comme je dis, c'est vraiment une belle fin, entre guillemets, mémorable, quoi. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'épisode sur YouTube, hein. Oh, la musique et tout. Au revoir, Faye. Je t'aime, maman. Et ça a été une longue aventure, hein, quand même. Waouh. Ils ont vraiment tous disparu. Y'a rien pour nous ici. Mais graphiquement, il reste un jeu très... Et ça, il date de 2018. Mais graphiquement, en 2020, il est super. Enfin, ça reste hyper bluffant. Si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a quand même un géant dieu mortel, ok. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki. Loki. Ah! Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi? Assez de questions pour aujourd'hui.
Rentrons à la maison. Bon. Ouais, bah c'est cool en vrai. On inverse. Ça fait Polk. Tu ressembles à Loïc, MDR. À mon prénom, tu sais. Retourner au foyer. Retourner au temple de Tyr. Mais en vrai, bien. Hein. On va retourner bah, justement où on en était. Vas-y. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle voulait qu'on l'amène ici. Là, c'est la fin. C'est beau. Tu crois qu'elle savait ce qu'on avait Santa Monica, directeur et ça tout. Qu'elle voulait nous montrer. Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse décider. Oh. C'est beau, cette vue. J'ai envie qu'on se laisse sur la vue de là-bas plutôt que d'aller retourner au foyer. Vas-y. Pour au moins cet épisode. Enfin, ce dernier épisode, du coup. Non, on va se laisser là-bas. C'est une vue splendide, c'est beau. On arrive... on n'est pas arrivé à la totale fin. Je sais qu'il y a une Valkyrie, etc. Tout ça, tout ça. Mais je sais pas si je continuerai ou pas, on verra. Donc en fonction, si vraiment vous êtes vraiment très partant, faites-le moi savoir dans les commentaires ou même dans les pouces bleus, hein, concrètement. C'est ce qui me motivera à essayer de vous faire la Valkyrie et peut-être comprendre encore un peu plus le monde de God of War. Oh là là, quel monde. Mais on va se laisser là, je pense, pour cet épisode, les amis. Ouais, trop beau. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Concrètement, c'est un très bon jeu. Mais c'était un très court épisode, c'est exact. Mais ouais, c'est la fin. Je savais que j'allais m'approcher de la fin. J'étais à 99%. Et j'avais complètement oublié le précédent épisode de faire cet endroit-là. Donc c'est pour ça. Mais on n'a pas fait de fight. Ça a été très beau. Et ben, bah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça a été vraiment cool de tourner ce let's play. Je sais qu'il a pris un peu de temps, mais je vais essayer de me régler ça à l'avenir. D'être plus rapide sur les let's play à tourner. Et bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur de nouveaux let's play. À la prochaine, ciao bye, ciao ciao. Et donnez une note, ouais, dans les commentaires, c'est une très bonne idée. Ouais, donnez une note, moi je me donnerai franchement. Pour l'histoire, le scénario, etc. Alors j'ai jamais fait de God of War. Un petit 17, allez un petit 17. Voilà. Sinon, à la prochaine, ciao ciao.